Cet endroit renferme bien des mystères, mais peu de réponses. Halte là! Qui êtes-vous? Ton guide, si tu me le permets. Dis-moi, de quoi te souviens-tu d'avant? Mon général, une terrible bataille. Et ensuite on m'a emprisonné dans les ténèbres. Mais tu es libre, à présent. Qu'êtes-vous donc? Viens, j'ai beaucoup à te montrer, pour te préparer aux défis qui t'attendent. Cet endroit est si étrange. Où sommes-nous? L'important n'est pas où, mais quand. Il y a des millénaires, quand notre monde était jeune. Azeroth abritait alors les ancêtres des dragons. Des bêtes primitives, aux instincts primaires. Chez certains, toutefois, brillait une lueur d'intelligence. Ces êtres étaient doués de paroles, de raison, de sentiments. Quel est le rapport avec moi? Sans ces créatures, ton peuple n'aurait jamais existé. Ces proto-dragons ont donné naissance au monstre Galakrond. Qui entendait tout dévorer dans sa faim insatiable. Le destin de notre espèce étant en jeu, 5 d'entre nous ont surmonté la peur et l'instinct de survie pour affronter ensemble le Léviathan. Nous, vous en faisiez donc partie. Pour sauver le monde. Pour récompenser notre courage, les titans nous ont offert un don. Et nous avons évolué. Ensemble, nous formons les aspects. À la tête des vols draconiques, nous veillons sur Azeroth. Au fil du temps, nous avons adopté ces formes pour nous rapprocher des races plus jeunes. Pourquoi me montrer tout cela? Je suis Nozdormu. J'étais l'aspect du vol de bronze. Destiné à voir la trame du temps dans son intégralité. Mais aujourd'hui, le monde est en péril. Une ancienne menace a ressurgi. Tu auras un rôle à jouer dans les événements à venir, et tu devras prendre une décision difficile, comme nous autrefois. Je ne suis pas comme vous. C'est vrai. Mon histoire est déjà écrite. La tienne... comme celle des autres Dracthyr, ne fait que commencer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour analyser un petit peu cette cinématique. Alors déjà, Premier point, donc voici l'arrivée des petits courts-métrages qui permettent d'introduire un petit peu l'extension. Donc on a le nom, c'est l'héritage, mais en gros moi j'aime bien les appeler les préludes parce que c'est souvent un petit peu le prélude, ça marche très bien, on comprend tout de suite. C'est justement avant l'extension et généralement ça va avoir un rôle, un enjeu vis-à-vis de l'extension. Alors, qu'on soit clair, je ne vais pas spoiler, puisque moi-même j'ai essayé d'esquiver les spoils le plus possible, contrairement à d'autres extensions précédentes. Donc j'essaye de naviguer entre les spoils, donc j'ai été spoilé de 3 trucs, mais vraiment pas grand-chose. Donc il n'y aura pas trop... Enfin, il n'y aura pas de spoil, je me consacre surtout sur... Enfin, je me base surtout sur ce qui avait été annoncé lors de... l'accueil, tout simplement, lors de l'annonce officielle de Dragonflight. Vous savez, la petite cinématique avec les devs, enfin la cinématique où on avait la CGI et les nouvelles features de gameplay, les, un petit peu d'histoire, etc. Donc je m'appuie vraiment là-dessus. Au final, il y avait déjà une vidéo sur Dragonflight, bien sûr, que j'avais faite. L'objectif, donc on va décortiquer tout ça. En l'occurrence, il n'y a pas énormément de choses à dire. Je m'attendais à devoir expliquer plein de choses. C'est surtout une remise en contexte, puisque... nous avons deux chronologies qui sont montrées, qui sont mises à l'écran ici. On arrive, alors l'endroit où on commence ici, c'est tout simplement... Alors le nom exact, en fait c'est le starter des Dracthyr. Donc la nouvelle race que vous allez jouer, les Dracthyr, commenceront dans les confins de l'oubli, je crois. Je confonds toujours avec les confins de l'exil puisque c'est le début, le tuto pour les nouveaux joueurs. Mais je crois que c'est les confins de l'oubli, la zone de départ des Dracthyr. Nous voyons donc Nozdormu se poser en forme draconique. Enfin, en dragon, tout simplement, mais il est tellement gigantesque. Et puis c'est l'occasion aussi de ne pas le mettre à l'écran pour esquiver un peu tout ça. Mais c'est plutôt bien fait, c'est un cache-misère, mais un très beau cache-misère. On le voit du coup prendre sa forme humanoïde et rentrer justement dans un endroit qui semble être une espèce de ça fait une sorte de mine ou une sorte de complexe souterrain. Et où il y a très peu de lumière, ce qui montre aussi avec un peu l'aspect, vraiment encore une fois comme je disais, ruine, ce qui montre un côté ancien, et en l'occurrence on voit justement qu'il va y avoir cette interaction avec l'autre personnage de la cinématique, à savoir un Dracthyr comme on le voit à la fin. Ce Dracthyr, j'ai oublié le nom, c'est un truc genre Amberscale ou quelque chose comme ça, c'est l'un des... Il n'y a pas énormément de Dracthyr qui ont un nom et qui sont... en chef Dracthyr, mais si je ne dis pas de bêtises, ce Dracthyr là, c'est tout simplement l'un des rares noms que vous aurez pour les Dracthyr. Ça, bon, je me base sur 2-3 interviews qui avaient été faites, mais vraiment au tout début. Et en l'occurrence, ce personnage là, bah, ça rappelle un petit peu Corvas Ronçant en français. Si vous vous rappelez en fait la cinématique des chasseurs de démons à Légion, en fait on avait la cinématique où on voyait Chasseurs de Démons et Illidan, bah là c'est un peu le même délire où en fait on a les Dracthyr, et d'ailleurs il y a un gros parallèle entre Chasseurs de Démons et Dracthyr je trouve, puisque... si on regarde un petit peu, en fait, il y a un méchant qui a fait des choses gentilles, mais qui a fait des choses assez méchantes. Illidan d'un côté, Deathwing de l'autre. Ça, encore une fois, c'est la création des Dracthyr qui avait été évoquée lors de la présentation de Dragonflight. Et en fait, Deathwing est à l'origine de la création des Dracthyr. Et les Dracthyr, donc cette espèce de draconides, hein, pour que ce soit plus simple, c'est des draconides. Même si c'est vraiment une race spécifique de draconides, ce sont des draconides, donc des êtres draconiques mais pas des dragons, qui ont une forme humanoïde, et au final, eh bien, ils sont là pour protéger le monde. Ils ont été créés par un personnage nuancé, on va dire, même si Deathwing est vraiment très chaotique et malveillant, mais il a été Neltharion, le garde-terre, tout ça, et ils ont été mis en stase, ils se réveillent pour pouvoir sauver le monde, etc., pour protéger le monde d'une menace supérieure. Donc c'est vrai qu'il y a un gros parallèle avec les chasseurs de démons, et il va encore plus loin, puisqu'on avait un personnage féminin qui représentait un petit peu justement le questionnement et qui représentait le joueur avec Corvas dans les, je sais plus comment on appelle, ce présage à Légion, dans le présage de Légion. Et bien là on a pareil, on arrive à s'identifier avec ce personnage Dracthyr. Et on a le narrateur qui est Nozdormu. Choisir Nozdormu comme narrateur, c'est pas, bête du tout, puisqu'on aurait pu avoir Alexstrasza comme ailleurs. Et bien en final, Nozdormu c'est l'aspect du temps, hein, c'est le vol de bronze, tout ça, donc l'aspect du temps. Il permet de voir, voilà, des visions dans ce qui a pu se passer, et ça c'est pas mal. Au passage, j'aime beaucoup la doubleuse de la Dracthyr, qui j'ai l'impression est la doubleuse de Talanji. Par contre, j'ai vraiment, mais alors beaucoup de mal avec la voix française de Nozdormu. J'ai beaucoup de mal, vraiment, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est faux dans ces dialogues, mais bon, ça va, ça dérange pas non plus trop le visionnage, puisque l'idée c'est surtout de faire découvrir d'un côté une sorte de introduction des Dracthyr pour ceux qui ne connaissent pas encore les Dracthyr, sachant qu'on aura 3 épisodes de l'héritage, enfin des héritages, et il y en aura probablement un consacré aux Dracthyr de ce qu'on a vu sur les présentations. Donc c'est l'apéritif, on va dire, pour préparer les Dracthyr. Et ce qui est intéressant, c'est que donc Nozdormu qui nous explique, on voit les souvenirs du Dracthyr. J'aime beaucoup par contre l'imagerie où on a cette impression, cette espèce de nuage de cendres avec un côté, voilà, les dragons comme ils crachent du feu, etc. Bon, pas tous, mais ils crachent du feu. On a ce côté cendre, etc. Un peu hiver nucléaire que j'aime bien dans l'idée, comme si les dragons, enfin, j'aime beaucoup le principe. Là où les chasseurs de démons étaient dans une espèce de verre, d'espèce de jade à moitié, là on est sur un truc un peu plus ambre, l'ambre qui est souvent d'ailleurs un rapport avec le temps, pensez au paragon des Klaxis, ou tout simplement donc la Mist Pandaria, ou tout simplement Jurassic Park en fait, hein, l'ambre qui permet de recréer les dinosaures. Bon, c'est complètement YOLO, mais c'était l'ambre pour le coup, c'est vrai que ça a ce côté qui permet de nous parler de ce qui a pu se passer par le passé justement, et j'aime bien cette représentation. On a d'ailleurs dans les représentations, donc on voit qu'il y a eu une bataille, qu'il y a eu un conflit entre les Dracthyr et présenter une guerre. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais de ce que nous présentons, on en reparlera pour l'héritage consacré aux Dracthyr. Normalement, ça devrait avoir lieu. Là, ça semble être la forme de Deathwing qui a créé les Dracthyr, sa forme de Cataclysme, donc une forme humaine que j'aime pas du tout personnellement, où il se retourne, il se met dos avec une main qui implore des Dracthyr, donc on a l'impression qu'il a abandonné un peu ses enfants, Deathwing, une main, alors que les humains n'existent probablement, enfin les humains n'existaient pas à cette période, puisque la création des Dracthyr c'est un truc genre 20-25 000 ans, donc avant l'ouverture de la porte des ténèbres, donc c'est avant la guerre des anciens et avant que les humains existent. Donc Deathwing sous cette forme là, c'est un petit peu anachronique, mais c'est comme ça que les joueurs le reconnaissent. Au final on a, donc voilà, j'aime bien cet aspect où on nous présente un petit peu, même si pour le moment c'est juste un petit clin d'œil, on va voir plus tard. Et donc on voit des guerres draconiques. Alors les guerres draconiques c'est un concept qui est très très vieux, je vais pas, encore une fois je vais en reparler dans la vidéo sur l'héritage des Dracthyr, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait les guerres draconiques c'est quelque chose, c'est pas une création de Dragonflight. Les guerres draconiques ça existe depuis le jour du dragon, on nous avait parlé des guerres draconiques avec les aspects qui se foutaient sur la gueule entre eux, etc. C'était pas que Deathwing en fait, c'était des guerres entre les dragons. Sauf qu'en fait les guerres draconiques ça se passait entre la guerre des anciens et l'ouverture de la porte des ténèbres. Donc entre moins 10 000 et 0 en termes de chronologie. Là pour le coup, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que comme c'était au pluriel les guerres draconiques, ils ont pris une guerre draconique et ils l'ont mise, le terme guerre draconique, et ils en ont réutilisé une. Ça n'invalide pas le fait qu'il y ait eu des guerres draconiques entre moins 10 000 et 0, mais ils en intègrent d'autres. En fait, il y a eu d'autres guerres draconiques avant aussi. Et ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment, on découvre un nouveau pan de l'histoire des dragons, donc draconiques. C'est plutôt cool. Ça, j'aime bien l'idée. Donc voilà, il y a Nozdormu qui dit « Tu es libre à présent ». On apprend que les Dracthyr ont été enfermés. Ça rappelle beaucoup les chasseurs de démons. « Qu'êtes-vous donc ? Viens pour te préparer. » Héritage. Alors, héritage, je voulais faire une vidéo là-dessus. J'en ai déjà parlé un petit peu sur la vidéo sur Dragonflight, mais l'héritage, ça va être Shadowlands. Il y avait vraiment l'une des thématiques, l'un des thèmes phares, c'était le libre arbitre. Et enfin, il y a 2 thèmes à Shadowlands, c'est le libre arbitre et la justice. Pour Dragonflight, l'héritage, c'est le maître mot de Dragonflight. L'idée de la transmission, l'idée de qu'est-ce qu'on représente par rapport à nos parents, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, etc. L'héritage, c'est vraiment quelque chose. Les Dracthyr qui ont été créés, donc qui sont un peu les enfants de Deathwing. On a les 5 grands protagonistes, l'écran de chargement, etc. L'héritage de Tyr, l'héritage des aspects, l'héritage des titans également. Ce que sont l'héritage des vols, les vols draconiques, hein, avec par exemple, on a à peu près les grandes thématiques vis-à-vis des 5 personnages que l'on voit donc, dans l'écran de chargement. Donc on a Alexstrasza, je sais pas si elle va être trop concernée, mais bon c'est une mère, donc il y a forcément aussi cette thématique d'héritage. On a Irion, l'héritage vis-à-vis de Deathwing, son père. On a Merithra, la fille d'Isera, donc l'héritage vis-à-vis de sa maman. Et on a donc Maligos, Merithra, Maligos qui est mort et du coup c'est Kalecgos qui prend la place. Donc pour Merithra et Kalecgos, il y a l'idée de la transmission et de l'héritage par rapport à deux aspects qui sont morts. Isera pour le vol vert, Maligos pour le vol bleu. Irion pareil hein, pour le vol noir avec son père. Et on est Alexstrasza et Nozdormu, donc vol rouge et vol bronze, qui eux sont des parents et qui se demandent ce qui va se passer un peu pour leur enfant. Alexstrasza, ça n'a pas trop été dit. Il y a de grandes chances qu'Alexstrasza, malheureusement, on n'est pas, soit pas trop développée dans Dragonflight. Mais... c'est un peu la Bolvar ou le Magni, donc en fait ce sont juste des personnages infobules, des personnages interface qui vont lier des trucs, mais c'est tout. Il y a de grandes chances qu'Alexstrasza ne soit pas trop développé, malheureusement. J'espère me tromper bien sûr, mais bon, on a vu les grands personnages guides des deux dernières extensions, ils n'ont pas trop été développés, malgré ce que je pouvais penser de Bolvar à Shadowlands. Je m'attendais à plein de choses, on n'a pas eu, beaucoup. Donc on a respecté le peu de développement. Donc j'ai peur qu'Alexstrasza on soit un peu dans le même délire, et surtout bah, ils n'ont même pas parlé d'Alexstrasza en fait. Dans les trucs d'héritage on voit vraiment les quatre autres, et Alexstrasza ils n'ont pas trop parlé, alors que pourtant l'héritage avec Alexstrasza c'est assez simple aussi, c'est facile à transmettre. Alors ce qui est intéressant, bon... je comprends tout à fait, c'est plus simple pour le joueur, etc. Où est-ce qu'on est ici? C'est les désolations des dragons, donc on est en Northrend, avant que ça s'appelle les désolations du dragon. Et c'est donc il y a des millions d'années, hein. Il parle de millénaires, mais c'est même des millions d'années, hein. Il le parle quand le monde était encore jeune, donc on pourrait même... là on n'a pas de notion du temps, il n'y a pas de date, ça peut être des millions d'années, ça peut être des milliards d'années. Si on est sur un temps géologique, il y a même peu de temps... bon, au moins des millions d'années, au moins des millions d'années. Et au final... on voit la création, ou vraiment si c'est des milliers d'années, c'est des centaines de milliers d'années. Et au final, parce que là, il n'y a pas de date, hein, il n'y a pas de date pour le truc. Le Northrend qui n'a pas tant changé que ça, bon c'était déjà de la glace et de la pierre, vous allez me dire, bah oui, bah, c'est logique, Malga, hein, c'est le pôle Nord. Eh bien écoutez, pour ceux qui ne le savaient pas, l'Antarctique, il y a des milliers d'années et des millions d'années, bah, c'était une grande jungle. Voilà. Donc non, on aurait pu avoir justement un truc un peu différent pour nous montrer que c'est une époque très très vieille, mais du coup on aurait perdu le lien avec le Northrend, c'est aussi possible. Mais il aurait pu tout simplement dire voilà, voilà ce qu'on appelle aujourd'hui le Northrend, il y a des éons, etc. Enfin ils auraient pu trouver un truc, mais bon au final c'est le Northrend, comme il n'a pas changé visiblement, il n'a pas beaucoup changé. Quand notre monde était jeune, et là Azeroth abritait les ancêtres des dragons. Ce qui est intéressant, c'est que il les évoque comme vraiment des bêtes primitives, des trucs aux instincts primaires, donc des espèces de dinosaures à moitié. Et chez certains toutefois brillait une lueur d'intelligence. Alors là, au départ je pensais juste que c'était une imagerie, mais en fait on se rend compte que ces deux personnages là, c'est pas n'importe qui. Ça c'est Alexstrasza en proto-dragon. Ce qui est intéressant, c'est le mot proto-dragon qui est utilisé plutôt que proto-drek. Proto-dragon, et Isera du coup qui est à côté et qui lâche justement par un souffle de foudre, mais une espèce de souffle empoisonné, de vapeur empoisonnée. C'est le grand crachat des dragons verts. Et on a déjà l'aspect un petit peu de la vie des deux qui protège la vie. Les deux sont sœurs d'ailleurs. Et Alexstrasza qui protège les bébés, ça c'est vraiment la mère, la reine des dragons, la mère des dragons. On a déjà un peu l'idée ici. Ces êtres étaient doués de paroles, de raisons, de sentiments. Donc ça c'est intéressant, c'est que pour le moment, en fait, si on se met vraiment dans la peau des Dracthyr et qu'on ne connaît pas l'histoire de l'Aube des Aspects, le livre l'Aube des Aspects de Cataclysme, même fin Cataclysme, qui parle de l'origine des dragons, de l'histoire des dragons, etc. Eh bien, ça permet en fait de découvrir ce truc. Et si vous ne connaissiez pas, ça donne l'impression que Nozdormu parle d'autres personnes. Et en fait, bah, après, on se rend compte, comme vis-à-vis de la Dracthyr, qui dit mais alors nous, donc vous étiez déjà présents. Donc ça, c'est intéressant, qui parle un petit peu des siens. Nozdormu, qui a un style assez, toujours un très très beau style. Les graphismes, bah, je sais que certains vont se dire on est un peu loin des proto-drakes, mais j'aime beaucoup l'apparence d'Alexstrasza et d'Isera en proto-dragon. Et là bien sûr, ces proto-dragons ont engendré Galakrond. Alors là c'est intéressant parce que en fait, c'est aussi pour ça que le chapitre 1 de l'héritage Dragonflight, personnellement, à titre vraiment purement personnel, je le trouve pas extrêmement intéressant parce que c'est beaucoup de contexte. Et en fait, si vous connaissez l'histoire de l'Aube des Dragons, qu'on a déjà traité notamment dans la vidéo sur Alexstrasza et autres, bah en fait, t'apprends rien. C'est pas de la nouveauté. Donc, après qu'on soit clair, c'est pas parce que c'est pas de la nouveauté que je trouve pas ça intéressant. C'est juste qu'en fait... bah, si vous connaissez déjà l'histoire, on vous la met juste en avant, mais vous n'apprenez rien vraiment dessus. Par contre, elle est indispensable à mon sens, parce que justement, ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire de l'Aube des Aspects, eh bah, c'est génial, parce qu'ils vont avoir justement l'introduction. Le petit bémol, c'est là où on voit qu'Activision Blizzard, ces grands vendeurs qui ne pensent qu'à l'argent, ne mettent même pas en avant le bouquin L'Aube des Dragons, en mode pourrait dire bah, suivez l'histoire de l'héritage Dragonflight chapitre 1, découvrez tout dans ce livre L'Aube des Dragons, même pas, L'Aube des Aspects pardon. Donc ils ont okay, vraiment L'Aube des Dragons et au final eh bien ils même pas, donc c'est bon, ça c'est tout le je dirais le truc un peu bizarre, mais c'est pour ça que bah en fait on n'apprend pas grand chose et au contraire j'ai vu déjà des inters un peu se lever, enfin installer les barricades. Qu'on soit clair, si vous me suivez un petit peu, vous savez que toutes ces vidéos présages, prémices, préludes, éternité, héritage, bah en fait c'est une vision romancée de l'histoire. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé tel qu'on le connaît. C'était déjà le cas avec les vidéos sur Jaina, vidéos sur Sylvanas, etc. J'avais souvent évoqué la chose. Et là il manque des éléments. Il manque des éléments. Ces éléments sur... là j'en compte 3 de tête comme ça. On a par exemple le caractère, le fait que Galakrond déjà son apparence, le fait qu'il est plein de yeux et tout, ça c'est très bien. Le fait qu'il bouffe des dragons, ça c'est très bien, hein, c'est ce qu'il fait. Mais par exemple on n'a pas l'aspect tentaculaire un petit peu parce qu'il y a des mutations en fait qui lui sortent du corps à Galakrond. Et au final, eh bien Galakrond, on ne les voit pas sur cette apparence. C'est pas très grave, hein, on s'en fout, mais je préfère le dire, c'est voilà. Et vous avez aussi tous ces proto-dragons morts, ces proto-drakes morts. En fait c'est un écho justement au fait que Galakrond les ramène en mort vivant. En fait une des particularités de Galakrond c'est qu'il bouffe des proto-dragons, en les bouffant il devient plus grand, plus fort, etc. Ça rappelle beaucoup les orques primordiaux de Starcraft. Et au final, eh bien la différence c'est qu'en fait son appétit, voilà, comme on le voit ici, son appétit est insatiable. Et du coup il relève des... enfin, en gros en les bouffant, eh bien il se transforme en dragon mort-vivant, en proto-dragon mort-vivant. Donc il y avait cet aspect avec les morts-vivants. On ne savait pas d'où venait la corruption de Galakrond. Il y a de grandes chances que ce soit lié au vide, il y a des très très grandes chances que ce soit lié au vide. Malheureusement je trouverais ça un peu dommage parce qu'encore une fois quand un truc devient maléfique, bah, c'est très souvent le vide, hein, et, au sens propre comme au figuré, et je trouve ça un peu dommage, surtout qu'on sort de Shadowlands, faire un petit truc en mode bah, c'est la mort, tout ça, sauf que le vide et la réanimation et les nécromanciens c'est pas trop le délire. Mais bon, on verra comment ça va se passer. Il y a de grandes chances que ce soit le vide, vu que c'est des thématiques de cataclysme en fait, hein. Et d'ailleurs, le livre qui inspire justement ce truc, c'est un livre de cataclysme. Il y a de grandes chances que ce soit le vide, les dieux très anciens, tout ça. Mais donc on a les 5 futurs aspects qui sont présents ici et qui vont se rebeller contre Galakrond. Donc vous avez Alexstrasza et Isera qui protègent sa petite sœur. Vous avez Maligos, vous avez Nozdormu et vous avez le futur Deathwing, donc Neltharion. Et on les voit voilà, se rebeller, lancer un petit peu leur sort contre Galakrond. Et ce qui est intéressant, c'est aussi un des gros éléments qui a fait cette levée de bouclier sur la cinématique pour certains, c'est que Tyr n'est pas présent. Alors Tyr c'est quoi? C'est qui? Tyr c'est un gardien, donc en gros c'est un avatar des titans qui est là pour s'assurer que, pour protéger l'œuvre des titans sur Azeroth. Vous avez vu mes vidéos de cosmologie, de l'ordonnancement, etc. Tyr, c'est un personnage assez important. D'ailleurs, hein, c'est pas comme si Tyr était Redcon, encore une fois, c'est une vision romancée. Donc Tyr est absent pour qu'on se consacre sur l'aspect dragon de cette histoire. Mais Tyr n'est pas du tout enlevé de l'équation, bien au contraire. L'écran de chargement, c'est quand même le fanal de Tyr, hein. C'est l'hommage justement des dragons et de Tyr. Donc bon, non, c'est pas pour rien que le fanal de Tyr pointe tout en haut des îles aux dragons, hein, c'est pour le rappel, le lien entre les dragons et les titans, notamment Tyr. Donc non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, c'est juste qu'effectivement, bah, dans la cinématique, il n'apparaît pas, ce qui montre encore une fois que c'est une vision romancée de l'histoire. Donc Tyr n'est pas présent, mais c'est même Tyr qui à la fin va aider ses proto-dragons à combattre Galakrond, et à la fin Galakrond va mourir en s'étouffant avec un immense rocher je crois. Tyr va sacrifier aussi sa main évidemment, bon, le côté mythologique tout ça, et cette espèce d'Ouranos gigantesque va s'étouffer et crever en s'étouffant, parce que tu as une fin bon, très biblique, enfin pas biblique du coup, mais très mythologique, et une fin assez sympathique, enfin assez intéressante. C'est pas vraiment eux qui l'ont tué, c'est lui qui s'étouffe par sa propre ambition, il est étouffé par son ambition, mais Finalement là c'est pareil, on n'a pas vraiment, il parle des titans, nous avons reçu un don, nous avons évolué, il y a cette espèce d'ascension angélique, cette espèce d'ascension où les proto-dragons deviennent justement les aspects draconiques, donc deviennent officiellement les dragons, Alexstrasza qui devient un dragon, alors par contre ce truc là je le trouve assez ridicule, là ça fait vraiment Alexstrasza qui, on dirait, mais c'est pour rigoler dans Heroes of the Storm, mais une des émeutes de Deathwing où c'est vraiment le petit chiot qui... je sais pas, on a l'impression que c'est un petit chiot là, Alexstrasza. Mais du coup j'aime bien. On voit justement les 5 aspects. Alors un truc, Maligos il sera jamais respecté, hein, c'est clair et net. Puisque là, si je ne m'abuse, c'est l'apparence de Kalecgos. Donc même aujourd'hui, héritage, Dragonflight, ça y est, on met des beaux visuels à tout le monde et tout. Eh bien Maligos a l'apparence de Kalecgos, c'est formidable, c'est vraiment ça, le pauvre gars, il se fera jamais respecter, le petit Maligos, c'est triste. Un petit point aussi que j'ai pas évoqué, que j'aime bien, il y a un petit moment de tendresse entre Isera et Nozdormu, à pas partir dans des fanfictions en mode ils ont couché, tout ça, il y a un vol orangé verdâtre qui va créer, tout ça. Non, non, c'est de l'affection entre les dragons, c'est bien parce que c'est vrai que Isera, on la connaît, proche d'Alexstrasza, mais c'est vrai que les interactions, parce que c'est la petite sœur, mais les interactions avec les autres, elles sont pas trop présentes, montrées justement pour une fois Nozdormu et Isera qui se font des petites papouilles, je trouve ça assez cool pour montrer que voilà, ils sont tous proches, sont tous amis, ce qui est souvent dit mais jamais montré, donc c'est bien, je trouve ça très bien. Voilà, donc on les voit en dragon, on voit ensuite le passage du temps avec la vision, on voit leur aspect humain. Donc on a Deathwing, enfin Neltharion donc, qui voit son apparence assez humaine avec les épaulières très typiques de Cataclysme. Un truc que j'évoque c'est on a Nozdormu à gauche très reconnaissable, Alexstrasza au fond très reconnaissable aussi. Par contre, Maligos on sait pas trop, on en reparlera je pense de Maligos. Et là Isera, donc on verra aussi puisque j'ai l'impression que l'apparence d'Isera... Il y a une petite fusion avec Merithra dans les pubs, etc. qui annonçait les 3 héritages. Donc j'avoue que je sais pas trop, on verra. Mais ces deux-là, on les surveillera en termes d'apparence pour les prochaines vidéos. Du coup, voilà, Nozdormu qui montre ce qui s'est passé au fil du temps. Nous nous sommes rapprochés d'autres races, d'où les apparences humanoïdes. Encore une fois, je rappelle, les dragons ont un côté métamorphe. Donc ils peuvent prendre l'apparence de tout. Deathwing peut prendre l'apparence d'un orc, peut prendre l'apparence d'un nain s'il le veut, tout comme Alexstrasza, tout comme Isera. Donc c'est un peu dommage de mettre une apparence d'humain alors que les humains n'existent pas. Au passage, donc il y a des titans donc, qui ont donné le pouvoir. Il y a juste pour Alexstrasza et Isera, c'est le même titan qui a donné une partie de son pouvoir à ses dragons. Donc nous avons Eonar, le titan de la vie, qui a donné ses pouvoirs à Alexstrasza et Isera. Nous avons Kasgoroth, le titan de la terre, etc., de la forge, de la création, qui a donné son pouvoir à Neltharion, le futur Deathwing. Nous avons, alors là c'est le moment délicat, Aman'thul, qui a donné son pouvoir à Nozdormu, le pouvoir du temps, du temps notamment. Et nous avons Norganon, qui a donné son pouvoir à le pouvoir de la magie, etc., à Maligos, si je ne m'abuse. J'ai toujours un petit peu de mal avec les titans et qui a donné à quoi, surtout qu'il y a un titan qui donne à 2 dragons, il y en a un qui a donné à personne, le gros raccro. Donc c'est toujours, c'est Golganet je crois qui donne aucun pouvoir aux titans, aux dragons, donc j'ai toujours trouvé ce passage un peu étrange, mais pas de souci. Du coup c'est pour rappel, ils sont pas aussi précis mais je préfère recontextualiser tout ça. Et à la fin donc voilà, je suis Nozdormu, je suis l'aspect... alors il parle à l'imparfait, j'étais l'aspect du vol de bronze, fait écho à la cinématique de fin de Cataclysme, où il n'est plus l'aspect, enfin en gros les aspects ont perdu une grande partie de leur pouvoir, mais ils ont toujours leur pouvoir, d'ailleurs sinon il n'arriverait pas à montrer cette vision du passé, et il rappelle que moi mon temps est passé, mais le temps des draconides et le temps des aspects, ça fait une bonne transition à Cataclysme, où beaucoup de gens ont gueulé avec Dragonflight, enfin beaucoup de gens, certains ont gueulé, pas tant que ça, mais certains ont gueulé plutôt, en disant oui, à la fin de Cataclysme, ils disent l'âge des dragons est terminé, mais au final, l'âge des dragons est de retour avec Dragonflight, voilà, bravo, ça redconne, tout ça. Honnêtement, la fin de Cataclysme, c'est... J'en avais parlé dans la vidéo sur Cataclysme, la fin de l'âge dragon c'est pour un côté Seigneur des Anneaux, l'âge des elfes est révolu, maintenant c'est celui des hommes, là c'était l'âge des dragons est révolu, maintenant celui des mortels, ça va c'est bon, on savait très bien qu'ils allaient conserver une partie de leur influence, une partie de leur pouvoir et autres, faut pas sentir ça comme une trahison, c'était évident qu'ils allaient, c'était vraiment plus un côté, il y avait un côté waouh dramatique de la fin de Cataclysme, mais on savait très bien qu'ils allaient conserver leur pouvoir. Mais là ça fait une transition un peu plus tranquille que la CGI avec Alexstrasza qui dit vraiment l'âge des dragons est de retour machin. Là on a une transition un peu plus sympathique où bah, notre âge nous en tant qu'ASP est dépassé, mais les dragons ont encore un rôle à jouer, tout ça, notamment les Dracthyr où l'âge des Dracthyr lui arrive, donc c'est là-dessus à ce niveau là c'est pas mal. Il parle d'une ancienne menace qui a ressurgi, ça j'ai envie de dire que c'est l'histoire de n'importe quelle extension de World of Warcraft. Alors de quelle ancienne menace on parle ici? Pas de spoil encore une fois, c'est ce qui était annoncé lors de la présentation de Dragonflight. C'est alors ils ont changé de nom depuis, ça s'appelle les primalistes, mais c'était les incarnés primordiaux. Quand ce qui avait été annoncé, c'était les incarnés primordiaux. Donc en gros l'idée c'est que quand les proto-dragons qui ont lutté contre Galakrond, les 5 en forment les aspects, avec tous les proto-dragons qui les suivent qui deviennent, et leurs enfants qui deviennent des dragons, donc en fonction des vols, donc le vol rouge avec Alexstrasza, le vol bleu avec Maligos, le vol jaune avec Nozdormu qu'on voit à l'écran, le vol vert avec Isera et le vol noir avec Neltharion. Et au final... eh bien, parmi ces proto-dragons qui ont résisté à Galakrond, certains ont refusé on va dire les dons des titans et ont refusé de se rejoindre, puisque pour eux, bah, les titans, c'est pas des, c'est des faux dieux, on va dire, et c'est pas... représente une intervention extérieure, puisque en fait bah, les dragons à la base ce sont des mélanges, en fait c'est des élémentaires, c'est des esprits élémentaires les dragons, qui se sont un peu fusionnés, etc. Et à la base, c'est des élémentaires. Et en gros, bah, les proto-dragons qui sont devenus aussi intelligents, certains proto-dragons ont choisi de rester fidèles aux élémentaires. Et donc, eh bien, en fait, certains d'entre eux, très puissants, vont être bénis par les esprits élémentaires, tout ça, et vont être en gros l'opposé des aspects. Il y a 5 aspects, comme je viens de les évoquer, et il y a 4 primalistes hein, ou incarnés primordiaux, et les incarnés primordiaux représentent les 4 grands éléments. Alors on pourrait dire qu'il y aurait dû avoir 5 incarnés primordiaux puisque bah, y a 5 éléments, mais au final bah, l'esprit de la vie, l'élémentaire de la vie, lui il a été un peu, il s'est un peu évaporé, donc il n'y a pas de primaliste qui lui représente, pas d'incarnés primordiaux de la vie. Donc on a 4 bien sûr seigneurs élémentaires, terre, feu, vent, et dernier, terre, feu, vent et eau. Donc voilà, vous avez 4 espèces de proto-dragons de ces éléments-là, et qui seront la menace et qui avaient été enfermés, tout ça. Et donc l'ancienne menace a ressurgi, ça fait écho aux primalistes. Maintenant, il y a un autre point aussi, puisque je voulais faire une vidéo à part, mais je vais en profiter, que j'ai pas énormément de choses à dire sur la vidéo en dehors du contexte pour en parler. Dans les anciennes menaces, parce que c'est au singulier, maintenant, il faut voir pour qui bossent ces primalistes. Comme je l'ai dit, pas de spoil, hein, c'est vraiment que de la théorie, de la possibilité. Un des trucs aussi qui avait été donné, c'est l'héritage, la quête de l'héritage de Nozdormu, puisque Nozdormu, en tant que dragon, en tant qu'aspect du temps, et en tant que, justement, dépositaire des pouvoirs du titan Aman'thul sur le temps, sur la magie du temps, etc., eh bien, il sait qu'un jour, il va mourir, et il sait qu'il va se transformer en l'opposé de Nozdormu, qui est Murozond, qui est le dragon, le créateur du vol infini. Le vol infini, c'est tout simplement les dragons de bronze qui ont pété un câble parce qu'ils ne veulent pas mourir, c'est leur instinct de survie, et du coup, en gros, le vol bronze lutte contre lui-même, le vol infini. Et en fait, bah, y a des grandes chances que Nozdormu soit un des boss de Dragonflight, même si c'est pas lui directement, mais qu'on affronte une partie d'une timeline alternative, enfin d'une réalité alternative, et d'affronter un Murozond, un autre Murozond. Donc, puisqu'il y a plein de réalités alternatives, tout ça, et du coup, bah, dans une, Nozdormu a potentiellement pété un plomb, et du coup, on tuerait ce Nozdormu-là. Donc, il y a des grandes chances qu'en fait, on affronte Murozond également. Est-ce que le vol infini collabore avec les primalistes, donc les incarnés primordiaux, ça on sait pas trop. Et pareil, est-ce que si on nous montre ce truc de Galakrond, c'est un fantasme de beaucoup de joueurs depuis très longtemps de vouloir fracasser Galakrond en tant que joueur. Et oui, on a toujours cette quête du plus, hein, qui c'est pas que Blizzard, c'est aussi les joueurs. Deathwing au final c'est du pipi de chat, quand il existe Galakrond qui est beaucoup plus gros. Pareil, hein, pareil dans le Serzano, hein, Smoke c'est de la merde, quand on peut affronter en Calagon. Bah là c'est pareil, l'idée c'est Deathwing c'est devenu de la merde, c'est un dragonnet à côté d'un Galakrond. Donc il y a toujours eu ce fantasme de joueur à vouloir abattre des cibles d'importance, des VIP, donc potentiellement un Galakrond qu'on affronterait soit sous quelle forme, soit ramené par les instincts par les primalistes, soit dans une vision du temps justement comme Nozdormu nous l'a mis en mode caverne du temps. Et on va affronter Galakrond, je ne sais pas trop, mais est-ce que Galakrond serait l'une des menaces aussi de Dragonflight? En tout cas, primalistes, est-ce que du coup les primalistes en tant qu'envoyés, en tant que dépositaires aussi du pouvoir des éléments, est-ce que les seigneurs élémentaires seraient liés aussi à leur montée en puissance? Ça c'est des questions que j'évoque, mais l'ancienne menace, elle peut avoir des ramifications. Je sais que pour beaucoup, les primalistes, donc les incarnés primordiaux, ça sort un peu de nulle part. Mais ça fait partie aussi du... C'est bien de créer des choses, mais maintenant, ça peut-être un petit peu la difficulté parfois à Shadowlands, c'est de garder des ramifications avec le reste sans vampiriser les autres personnages. Faut essayer de s'incorporer bien dans un grand tout. Donc, hâte de voir justement les liens entre les incarnés primordiaux et ce qu'on connaît de l'univers de Warcraft. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon bah voilà, les Dracthyr, c'est le moment où les Dracthyr doivent se réveiller, tout ça. Alors si Blizzard est pas trop nul, il y a des chances que la vidéo d'héritage... Alors la troisième, je sais pas vraiment sur quoi elle traitera, mais il y en a une des trois, ce sera sur les Dracthyr. Est-ce qu'elle sortira vers le 15 novembre, au moment où les Dracthyr seront jouables pour le pré-patch de Dragonflight? Ce serait le mieux d'un point de vue marketing. Maintenant, des fois on sait qu'il y a des glissades. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette mise en contexte, il y a eu beaucoup d'infos, mais en soi, la vidéo elle-même vous suffit à comprendre pas mal de choses. Et on a essayé de faire en sorte d'aller un peu plus loin et de rappeler un petit peu tout ça. Comme je l'ai dit, c'est vraiment l'Aube des Dragons, l'Aube des Aspects, pardon, le livre mis en scène. Donc tant mieux pour ceux qui connaissaient pas. Pour ceux qui connaissent, c'est sympa mais sans plus, donc à voir pour les autres, mais voilà, moi je suis pas ultra hypé, mais c'est bien. Au final, ce qu'on pourrait retenir, c'est qu'il aurait fallu justement une vidéo d'éternité sur l'orée de la nuit, qui est une nouvelle indispensable pour Shadowlands, qui n'est jamais arrivée. Il aurait fallu qu'il y ait ça, là c'est justement un des éléments de l'univers étendu indispensable pour raconter des choses. D'où l'importance parfois de l'univers étendu, même s'il n'est pas indispensable, s'il devrait ne pas être indispensable. Le mettre en scène comme ça, justement, quand il devient très important, c'est très cool. C'est une bonne idée de la part de Blizzard. Voilà, merci à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus pour les autres vidéos d'héritage. Bisous, bisous. Salut, alors, encore une fois, vous avez l'habitude, hein, c'est tous les méchants qui viennent en conclusion. Je suis Deathwing et j'ai effectivement pris l'apparence d'un cheval. Je lève les bras en l'air, youp, youp, pomp-il up. Alors, sachez que je ne suis pas un immonde salaud. J'ai des raisons de ne pas être content. Et mon extension préférée n'est évidemment pas Cataclysm. Voilà, plein de bisous. Je sais pas pourquoi on critique toujours mes épaulettes. Alors des fois c'est dur de passer les portes, je suis d'accord, mais quand même. Allez, plein de poutous.